Annyeong Haseyo, ça veut dire bonsoir en coréen, il est 20h, les débats sont ouverts. Merci d'être au rendez-vous de DFCO et débat. C'est le tour habituel de l'actu du DFCO. Ensemble, vous allez ce soir entendre parler coréen. Alors pas moi, je vous ai dit ce que je pouvais, mais c'est bien Changun Kwon qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et c'est Sunju Bilino qui nous traduira ses réponses. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci à vous deux d'être au rendez-vous de l'émission. Le principe reste le même. Vos questions vont faire le sel du rendez-vous. Ce sont vos questions que vous pouvez poser en direct pendant une vingtaine de minutes à notre invité. C'est Mathie qui vous lit et vous relaie tout au fil de l'émission. Salut Mathie. Salut Théo. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Profitez de ce rendez-vous pour faire connaissance avec Kwon, qui est un joueur récent dans l'effectif de Dijon et qui va vous expliquer tout simplement pourquoi il a fait ce choix. On va commencer peut-être, Changun, par une question sur le dernier match. À Marseille, c'était votre premier match en tant que titulaire au DFCO. Comment ça s'est passé? C'était le premier match en tant que joueur titularisé. J'étais très, j'ai beaucoup attendu et nerveux un petit peu d'attendre un grand match à Marseille grâce à l'aide de l'entraîneur d'Olivier. C'était un grand match pour moi. Ouais. On a PA dans les commentaires qui nous demande, qui nous dit tu as fait un très bon match à Marseille. Ça y est, tu es prêt physiquement à enchaîner les matchs? Oui. C'est une réponse courte mais efficace. Il a parlé de pression. Il y avait de la pression pour cette première titularisation. Ou est-ce que le fait de jouer à Marseille a ajouté de la pression? Je n'avais pas de pression. Oui. J'étais très content de jouer. Oui. 하기 때문에 두려움이나 그런 것보다는 재밌게 c'était très intéressant. Oui, j'ai essayé de jouer au mieux. Oui. Et justement, il y avait de la frustration depuis son arrivée de ne pas jouer plus. 계속 출전을 못 했는데 조금 그것 때문에 불만이지 않았어요? 처음에 왔을 때는 제가 몸 상태가 많이 안 좋아가지고. Quand j'étais venu au début, j'avais pas bonne condition physique, donc je me reposais déjà. Il me fallait le temps de établir ma condition physique. Alors, Eric nous demande avec quel joueur tu as le plus d'affinité dans l'équipe. 팀 중에서 어떤 선수하고 가장 친하나요? C'est mieux que personne. Est-ce que c'est justement, tout le monde se pose un peu la question, hein. Je vois, il y a Tom également sur Facebook qui nous dit, tu arrives à gérer le rythme de jeu et le rythme de vie à Dijon. Comment se passe l'acclimatation, l'adaptation? Sur le terrain et en dehors. 뭐 일상생활은 여기서 처음 quotidienne. 오고 나서 depuis que j'étais là sur Dijon, 사장님, 반장님 모두 다 도움을 많이 주셔가지고 de la part de président DFCO, d'entraîneur, il y a beaucoup de monde qui m'a aidé. 훈련장에서는 아직 제가 몸을 만들어야 될 상태였기 때문에 j'avais besoin de 급한 것보단 천천히 de rétablir ma condition physique. Il était blessé. L'année dernière, j'avais une petite blessure. Voilà, j'avais un peu de repos. On a plusieurs questions sur l'adaptation à Dijon. Tof qui nous demande, qu'est-ce qui était le plus dur à l'arrivée, la langue ou le climat? Dijon, c'est le plus difficile, la langue ou le climat? La langue est plus difficile. Le climat, ça a été.
Pascal qui demande comment ça se passe justement la barrière de la langue avec les coachs et les joueurs, le coach et les joueurs. 팀원들하고 언어 때문에 어떻게 소통을 하고 계시나요? 뭐 감독님이나 뭐 코칭 스태프분들 les entraîneurs 이제 훈련장에서는 영어로 sur le terrain on se communique en anglais. 완벽하지 않아서. Parce que mon français n'est pas parfait. 영어로. Et j'essaie de se communiquer en anglais. Mes collègues aussi. Toujours en anglais, ils m'ont expliqué. Anthony juste nous demande si tu peux parler quelques mots en français, si tu sais parler quelques mots en français. 마태 해주시겠어요? Bonsoir. Enchanté. Je m'appelle Kwon Chang-hun. Appelez-moi Kwon. C'est déjà bien, c'est déjà bien. On rappelle que c'est Sunju, hein, sa prof de français, donc c'est déjà pas mal. Il y a une question aussi sur le stade Vélodrome de Marseille. On revient à ce premier match, disputé entièrement, enfin pas entièrement, mais en tout cas en tant que titulaire. Est-ce que le stade l'a impressionné ou est-ce qu'il ressemble finalement au stade en Corée du Sud? En Corée, depuis que j'étais en Corée, je l'ai déjà entendu parler que c'était une grande équipe. J'avais vraiment impressionné de la grandeur de Marseille, de stade. Ça va rester tout au long de ma vie, quand même. On sait que ce premier match a été largement commenté et plutôt positif. Les gens ont trouvé Kwon très à l'aise sur le terrain, agressif, avec beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il s'est senti totalement à l'aise et quel regard il porte sur sa performance? Dans... 감독님이나 뭐 선수들도 좀 저한테 많이 편하게 할 수 있게끔 그렇게 감독님이 마음껏 그냥 제가 하고 싶은 대로 하라고 믿음을 주셔가지고 또 저도 avec confiance de toute l'équipe. Je voulais vraiment montrer ma performance. Voilà. Jean-François nous demande juste que les entraînements, est-ce qu'ils sont plus ou moins durs à Dijon par rapport à la Corée? 보다 여기 경기 시합 준비하시는 게 훈련이 좀 더 쉽나요, 어렵나요? 더 어려운 것 같아요. 네. 한국에도 difficile. Difficile. 거기에서도 훈련을 하는 과정은 힘들긴 한데 또 여기는 또 제가 부족한 것들이 좀 더 이렇게 보일 수 있기 때문에 뭐 en Corée aussi c'est dur mais quand même par rapport en Corée c'est beaucoup plus difficile ici c'est tous mes défauts ça se voit tout de suite. D'accord, c'est plus techniquement qu'ils jugent ça difficile que physiquement. 아니면은 신체적으로 했을 때 어떤 게 좀 결점으로 생각돼요? 일단 신체적으로 피지컬만 하는 게 일단 첫 번째로는 어렵고 그거를 빨리 적응을 하는 게 다른 친구들보다 신체적으로 조금 더 뭐야 더 힘들다 이거죠. C'est beaucoup plus difficile par rapport au le physique des autres joueurs. Voilà. Alors par rapport à ce match à Marseille, vous avez sans doute tous trouvé que c'était un bon nul, un partout au Vélodrome. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce résultat. Il va compter forcément ce point. Il vaut cher déjà dans la fin de saison. Dites-nous vos impressions. Est-ce que c'était un bon match nul? Est-ce qu'il y avait moyen finalement de gagner ce match? Est-ce que Chang-hun, vous pensez que Dijon aurait pu gagner à Marseille? 우리가 이길 수 있었다고 생각했는데 한번 얘기해 보시라는데요. 아, 상당히 아쉬운 경기. 아, 경기... 그래, vraiment. 네. 저희가 이길 수도 있는 J'aurais dû gagner. On aurait dû gagner. C'était le. Qu'est-ce qu'il a manqué? 뭐가 부족해서 우리가 무승부였던 것 같아요? 부족한 것보다는 운이 없었던 것 같아요. 저희 팀이 pas de chance. 네, 워낙 잘 준비했고, on a vraiment bien préparé, bien joué, mais pas de chance. 그래도 잘 했다고 저는 생각해요. on a bien joué quand même.
Mathis, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on a Jonathan qui nous demande comment tu t'es senti sur la pelouse du Vélodrome. Oh, quand Marseille, comme tu disais, en Vélodrome, ça, on a été très bien. Tu vois, que. Comme tu disais, en santé. Comme tu 뭐 상태는 좋았던 것 같아요. 상당히 크고. 네, c'était assez grand. Il y avait beaucoup de spectateurs. Et puis, c'était bien. Et Père a une question sur le match. Il nous demande, est-ce que tu as eu peur de prendre un rouge sur ta faute sur Bedimo? Ah, 저기 레드 카드 받았을 때 어떻게 느끼셨냐고. 아, 그거 뭐 경기에 좀. 몰입을 하다 보니까 네, 저도 모르겠고 j'étais à fond dans le jeu dans le match donc c'était inévitable. C'est un excès d'engagement. Alors, on rappelle à ceux qui nous rejoignent que Changun a 22 ans. Il vient de rejoindre le DFCO il y a quelques semaines maintenant, à la fin du mercato hivernal. Forcément, on le découvre aussi avec vous, avec Sunju qui traduit ses propos. Moi, j'ai une question pour Changun. Pourquoi avoir choisi Dijon? Apparemment, il y avait plusieurs clubs européens qui voulaient vous faire venir. Pourquoi, finalement, avoir choisi Dijon? 일단 저는 유럽에서 축구를 하는 게 제 꿈이었고. C'était mon rêve de jouer sur les stades européens. 어떤 팀을 많이 생각하기보다는 제가 그래도 C'était plutôt de focuser sur une équipe spéciale. Moi, c'était DFCO qui me demandait le plus. 오히려 더 강할 거라는 생각을 해가지고. Je trouve l'équipe française est vraiment forte. Donc, je voulais vraiment avoir une chance, une aventure. Oui. Et son rêve, justement, ton rêve à toi, Changun, c'est de percer forcément en Europe, de faire carrière ici, dans différents championnats peut-être. Oui, c'est pour ça que je suis là. Je suis content d'être à Dijon. Est-ce que le fait que l'équipe soit une équipe qui découvre la Ligue 1, le championnat de haut niveau, c'est sa première saison, de jouer le maintien, d'être menacé de relégation, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, t'a fait hésiter à venir à Dijon? 약간 팀으로 전락이 되고 있는데 그것 때문에 이렇게 조금 주저하고 그런 점은 없었느냐고. 그런 거는 뭐 생각을 하지 않고 왔고. 네, 일단 뭐 그런 거는 앞으로 저희가 더 좋아질 수 있는 팀이라는 걸 생각을 하고 왔기 때문에. Je crois que ça va aller mieux. 앞으로 더 c'est une équipe forte, donc ça va aller mieux. Alors, on sait que Changun jouait à Suwon, l'équipe des Blue Wings, dans la K-League, le championnat coréen, avec déjà beaucoup de saisons, beaucoup de réussites, beaucoup de buts. Justement, là-dessus, Perry nous demande à quel âge tu as commencé le foot. Depuis 9 ans. 9 ans. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce départ? Finalement, à 22 ans, c'est encore très jeune. Est-ce qu'il avait le sentiment d'avoir déjà fait le tour un petit peu dans son club, dans son championnat? Ce n'est qu'un commencement. Je crois que ce n'est qu'un commencement. Je vais aller continuer, essayer de continuer à faire mon mieux. Voilà. Et il y a Eric, là, joué sur Facebook, qui dit hors football, rien à voir avec le football. Est-ce que tu connais un chanteur ou une chanteuse française? C'est une question piège, hein, mais j'ai pas pu résister. Je n'ai pas encore découvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathis, sur Alors, Toff nous demande un petit peu quelque chose de personnel. Est-ce que ta famille te manque pas trop ici à Dijon? Ah, 식구들이 좀 많이 보고 싶지는 않냐고. 부모님 와 계시다고. 네, 부모님은 와 계시고. 일단 mes parents, ils sont là pour me soutenir. Oui, donc pas de problème. 형제 자매들 아장. Mon frère et ma sœur, elles sont là, mais mes parents, ils sont là. Je crois d'ailleurs que le métier de ton papa,
t'a valu un surnom auprès des supporters du club de Suwon où tu jouais en Corée. Pangouni, hein, c'est ça, Pangouni, le surnom pour peut-être les supporters dijonnais hein, qui peuvent aussi le retenir et le chanter bientôt pour son premier but peut-être. C'était quoi l'histoire de ce surnom? C'était quoi l'histoire de ce surnom? D'où il vient? Il avait une boulangerie, donc mm-hmm. du coup on m'appelait Pangouni, qui veut dire le garçon de pain. C'est ça, le garçon qui aime le pain, c'est ça? J'ai même vu des photos voilà. avec des baguettes de pain. En fait. C'était déjà un lien avec la France finalement, c'était déjà prédestiné. On mange beaucoup de pain en Corée? 한국에서 빵을 많이 먹나요? 많이 먹는데 여기 프랑스 빵하고는 조금 다른 것 같아요. 아, 네. le baguette française meilleur. meilleur que celle de son papa? 아버지가 한 것보다 더 낫나요? 더 맛있나요? 네. Et Yo-Yo nous demande, est-ce que tu es gourmand, est-ce que tu aimes le chocolat, puisqu'on parle? 초콜릿 좋아하나요? 초콜릿은 많이 먹지는 않아요. 예. 오빠 pas trop. On est vraiment dans l'échange culturel là, entre, ouais. hein, entre les chanteurs, la baguette. On va revenir au foot, si vous le voulez bien, avec le classement de cette Ligue 1 après ce match nul ramené de Marseille. On va voir où en est le DFCO, toujours dans cette deuxième partie du tableau. On va quand même regarder les premières équipes avec Monaco qui reste leader, Paris deuxième avec 68 points. On voit que Toulouse est dixième désormais avec 40 points. Et on va regarder dans la deuxième partie de tableau avec Dijon, donc 17e juste au-dessus de Nancy avec un point de plus sur Nancy et Lorient. Lorient revient bien avec encore une victoire et surtout donc il n'y a plus qu'un point d'avance pour Dijon face à Lorient qui est donc la première équipe relégable directement. Est-ce que ça, Changun, c'est inquiétant pour la fin de saison, le fait que les écarts se réduisent entre les équipes de bas de tableau? Qui bite, il dit, mais bon, il dit, ouais, mais il dit, si, il connaît tes chimtemens, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, j'espère qu'on sera beaucoup plus haut. Et je crois que. Je vais essayer. Toute l'équipe, y compris moi, on pense qu'on va aller beaucoup plus haut. Est-ce qu'ils sont du stress dans l'équipe stress ou pas trop encore par rapport à la relégation, à la menace de descendre? Bon, 아무래도 경기가 경기 결과가 계속 좋지 않으면은 네 선수들은 당연히 그런 거에 대해서. Je crois que c'est normal, un petit peu qu'on ressent des un peu de stress. 부담감도 느끼고 하지만 네 그런 거를 생각하기보다는 저희가 avant tout 이길 수 있다라는 그런 생각을 가지고 하면. On a l'espoir de gagner tout le temps. Adrien nous demande, depuis que tu es arrivé à Dijon, est-ce que tu sens que tu as progressé dans un domaine en particulier? Dijon에 이제 도착한 후부터 어떻게 특별히 이렇게 발전된 분야가 있나요? 기술적으로, 테크닉적인 면에서? 일단 피지컬적으로 항상 저는 네, 생각을 많이 좀 더 발전을 해야 된다는 걸 알고 있기 때문에 네, 그런 부분에 대해서 좀 이제 조금씩 조금씩 적응을 해서 oui, je m'adapte 네, beaucoup. Petit à petit pour améliorer ma condition physique. On va revenir à Dijon tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, vos commentaires hein, sur la présence de Changun Kwon dans cette équipe dijonnaise. On va revenir sur un passage. Il a disputé les Jeux Olympiques cet été. Hein, Changun, tu as joué avec cette équipe de Corée à Rio. Malheureusement, une élimination en quart de finale avec la Corée face au Honduras. Mais quel souvenir tu en gardes de cette expérience olympique? Olympique, je me disais, on a beaucoup de Jeux Olympiques, on avait beaucoup de préparation. Vraiment, j'étais déçue.
pour le résultat, oui. Parce que par rapport à ce qu'on a préparé, c'était pas bien, mais c'était une grande expérience pour moi. Quel souvenir, quelle image tu gardes des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture ou le tournoi en lui-même? Mais le match contre l'Honduras, quand on a perdu, oui, vraiment, ça va me rester. Il y avait l'ambition d'aller gagner une médaille. Oui, médaille 따고 싶었는데. 저의 목표는 메달이었긴 메달이었는데 그거를 못 C'était vraiment. Alors, on a une question qui nous vient de Corée, puisqu'il y a tes fans qui nous suivent sur la discussion, qui nous demandent qu'est-ce que tu ferais si tu marquais ton premier but ce week-end. Comme célébration sur le terrain. 나오면은 어떤 세리머니를 할 거냐고 물어봤는데요. 한국 팬이. 아직 생각을 안 해봤어. 지금 마음껏 뻥 쐈어. Ça sera imaginé sur le moment, hein, ça sera improvisé. 거기서 즉흥적으로 한번 해볼 거냐고. 아마 너무 좋아서 뭐. Je vais sauter, je vois. Et tu as vécu une saison en 2015, hein, je crois, avec les Suwon Blue Wings, où tu as marqué beaucoup de buts, plus d'une dizaine. Est-ce que tu es impatient, forcément, de marquer ce premier but hors de Corée? Le but. 네, 넣고 싶죠. 선수는 다 marquer le but. 네, 넣고 싶은 생각이 있어야 되는데, 뭐 골을 꼭 넣어야겠다라는 그런 생각을 가지고 하는 것보다 일단 경기력을 avant tout, j'aimerais bien participer à un bon match en tant que joueur pour l'équipe. Voilà. Ça, c'est de la langue de bois, hein. Vous pouvez lui dire. Juste sur le plan tactique, Olivier Dalloglio, l'entraîneur, l'a aligné en attaque à Marseille, sur le côté, mais il était attaquant. Est-ce que c'est un poste qu'il préfère à celui plus traditionnel de milieu de terrain, un peu plus bas dans le schéma tactique? Qu'est-ce que tu préfères, attaquant ou milieu de terrain plus offensif? 그냥 공격수와 미드필드 차이지. 네. 하는 역할은 attaquant et le 비슷하다고 생각을 해서 milieu de terrain, pour moi c'est à peu près pareil. 그게 어려움은 없는 거. Il y avait pas beaucoup de difficultés pour moi. D'accord. Une petite question venue des réseaux, Mati. Christopher nous demande, est-ce que tu as des cours de français? Est-ce que tu as une formation accélérée payée par le club? Français, français, comment ça se fait? Maintenant, le team a fait ça, français, ça va être? Oui, le team a fait ça, ça va être fait. Oui, maintenant, il y a des gens qui ont fait ça. Oui, je travaille le français avec moi. avec mon professeur de français et grâce à DFCO. Voilà. Est-ce que c'est un bon professeur? Non, c'est un peu cruel, je suis désolé. Très bien, très bonne réponse. On va reparler foot à nouveau avec ce qui attend le DFCO dans les prochaines semaines. On va regarder le calendrier des prochains matchs de Ligue 1 ensemble. Les trois prochains rendez-vous avec un match crucial que tout le monde a déjà en tête. Ce sera samedi à 20h, Dijon reçoit Bastia. Bastia désormais dernier du championnat. Ensuite, il y a un déplacement très difficile. Là, c'est vraiment le yo-yo, hein, parce qu'on remonte après chez Monaco, donc, qui est le leader. Et puis ensuite, la réception d'Angers. Est-ce que, Changun, ces deux réceptions, Dijon-Bastia, Dijon-Angers, vont déterminer le maintien du DFCO en Ligue 1? 지금 이 어떤 경기가 지금 대표 그 강등 안 되고 이렇게 리그왕에 있을 수 있는 좋은 경기라고 생각하세요? 아무래도 뭐 이번 주말에 있는 바스티아전이 되지 않을까? 네. Cette semaine à la fin cette semaine avec Bastia contre Bastia. 그 경기가 3점을 가져오는 게 가장 중요할 것 같아요. Spécial pour apporter trois buts. Trois points. Trois points. Oui, bien sûr. Et on appelle ça même en France un match à six points. Quand c'est un match très important, ça vaut plus que trois points, ça vaut le double. Ok.
중요한 경기를 6점 경기라고 말을 하네요. 아, 마치 10. 예. 에스킬 로선 싸 아저씨 감사. 그런 느낌을 받았어요. 어, 이 경기에서. 예, 일단 우리 뭐 상당히 어려운 경기가 될 것 같아서. 어, 마치 difficile pour moi. 이 경기를 이긴다면은 다음 si on gagne, 경기도 좀 더 자신감이 붙어서. Les prochaines ce sera plus facile pour moi. Quelles sont les grandes différences entre le jeu en Corée et le jeu ici en France en Ligue 1? Qu'est-ce qui change le plus? Alors, au niveau physique, vraiment différent. Et le temps, le rythme de Val est beaucoup plus rapide. 세계적인 선수들이 다 뛰고 있는 곳이기 때문에 뭐 기술적으로도 au niveau technique et stratégie tout ça c'est beaucoup plus différent de Corée. Mathis. Alors Luc nous demande est-ce que tu te sens apte physiquement à jouer le restant des matchs en tant que titulaire? 선발 선수로 나머지 경기들을 뛸 준비가 되어 있나요? 네, 준비는 돼. Je crois qu'on a tous compris. Ça ça veut dire oui. Oui oui, je suis prêt à jouer là. Tu as signé un contrat assez long avec le DFCO jusqu'en 2020, deux saisons et demie. C'était un choix de t'inscrire dans la durée avec ce club ou est-ce que tu penses que tu es susceptible de partir avant la fin de ce contrat? Bon, 일단 여기가 제 팀이기 때문에 DFCO, 네, 저희 팀이 c'est mon équipe. 일단 잘 되는 게 우선이고 그 다음은 tout d'abord c'est de réussir dans mon équipe. Oui, pour l'instant je n'ai pas d'autres idées. 잘 돼서 높이 올라가는 거. Je pense qu'il y a monter plus haut avec mon équipe DFCO. Et si malheureusement le club descendait, est-ce que tu resterais malgré tout à Dijon? Ah, bien sûr. Ça va faire plaisir aux supporters qui sauront apprécier ça. Mathis, encore quelques messages. On approche de la fin de l'émission. N'hésitez pas à partager ce live, à vous lancer, à poser une question à Changun, qui est encore avec nous pendant quelques minutes. On prolonge un petit peu le plaisir, hein, parce qu'avec le temps de traduction, forcément, voilà, ça, tout ça prend un peu plus de temps que d'habitude, Mathis. Alors moi, c'est pas une question, mais c'est un message de Airi, qui est sûrement quelqu'un que vous connaissez, qui dit « Bravo Changun et Sunju, je suis vraiment très fier de vous. » Merci. Alors, il y a une autre question. Alors, je ne sais pas, c'est un nom coréen, donc c'est Uk Jeon Han, qui demande normalement, au quotidien, pendant la semaine, quand vous avez le temps, qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées? 평소에는 뭐 하시네요, 저기. 평소에는 운동하면은 뭐 je vous promène à côté, oui, parce que il y a le parc à Colombier à côté, juste à côté. Je vais à centre-ville aussi. Je mange dans le restaurant aussi. Et est-ce que tu fais ton footing à la Colombière? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui y vont à Dijon. Que Colombier Gouane, 지금 축구하러 사람들이 많이 오는데 거기서도 하나요? 축구? 아니요, 그게 il court assez avec l'équipe, hein, je crois. Mathis, est-ce qu'il y a encore quelques messages? Dernière question, Jean-Louis qui demande avec qui tu t'entends le mieux dans l'équipe. On était déjà posé un peu la question tout à l'heure. Ah, ça c'est piège. Il a dit avec tout le monde. Hein. Avec tout le monde. Merci en tout cas à vous deux. J'avais noté comment on dit alors. Kumap. Simpnida. Ah, ça veut dire merci. À vous deux. Merci d'avoir joué le jeu. Merci Sunju pour cette traduction. Ça a été impeccable. Et merci Mathis. Et merci à tous d'avoir posé vos questions. On a appris à découvrir Changun et à voir qui se cache derrière le joueur. Il va probablement aider encore beaucoup le DFCO dans cette fin de saison qui s'annonce difficile. Rendez-vous au stade Gaston Gérard samedi à 20h pour le grand rendez-vous face à Bastia qui va déterminer en grande partie la fin de saison. Soit un peu tranquille, soit un peu plus stressante pour tout le monde. Merci à tous et à mercredi prochain pour une nouvelle émission. Ciao.